Léva, par ici, on n'en voit pas la fin. Si tu suivais le soleil, juste pour changer de peau, il caresserait ton sommeil, te ferait le pays chaud. Pour toi, l'or et le vermeil couleraient dans les ruisseaux. Comme tes yeux dans le ciel, te ferait le monde beau, le monde beau. Changer de peau. Ceci est un message à caractère informatif. Cet imbécile, doublé d'un abruti un peu con, a oublié de tourner l'introduction. Nous allons aujourd'hui chercher l'artiste Vanille, la chanteuse Vanille. Je répète, imbécile, doublé d'un abruti un peu con. Allons-y! Quoi? Bon bah, go. Souvenez-vous, la dernière fois, je vous avais proposé de commenter une question... de me poser une question, pas à moi la question, de poser une question au prochain invité dans les commentaires. Et il se trouve que le commentaire ayant eu le plus de likes est un commentaire de Paul Roman, hein, mon précieux deuxième invité, qui demandait si il ou elle serait intéressé pour qu'on aille boire un coup avec lui. Alors du coup, ça va être intéressant, puisque à mon avis, et comme la majorité des gens sur cette planète, elle n'a pas vu les épisodes de La Place du Mort. Donc quand je vais lui poser cette question, on va tous avoir l'air bien con. Est-ce que c'était une bonne idée, Antoine, de faire poser la question aux gens? Je ne sais pas. Est-ce que c'était une bonne idée, Paul, de poser cette question-là? Je ne sais pas, mais bon, on va jouer les jeux, on va le faire. On va le faire. Bon, hé, je vous dis tout, hein, on est entre nous, on se connaît maintenant. Je suis en retard. Poussez-vous! Je suis en retard tout le temps, et ça vraiment... S'il y a des retardataires dans l'assistance, n'hésitez pas à me dire, mais bon, ils sont sûrement pas devant la vidéo, ils sont en retard. Au pays d'Agadaragon, il y avait une fille qui aimait les glaces citron et vanille. J'ai pas forcément plein de choses à vous dire, hein. Vous savez, il y a des épisodes comme ça où on va aller dans le vif du sujet. Et le vif du sujet aujourd'hui, c'est vanille. Bon, je suis arrivé. Je suis un peu embêté parce que je suis arrivé en retard, 20 minutes de retard, et elle a un rendez-vous. Donc, on va devoir faire ça en express. Mais c'est un défi. Je crois que c'est elle. Les portes sont ouvertes. Salut. Ça va? Ça va et toi? Je mets ma guitare derrière. Ouais, c'est tu ça peux la poser au-dessus, hein, si ça le fait. Ouais, yes. Elle est toute petite. Bonjour. Salut. Ça va? Ça va et toi? Ça va. Bonjour. Dites bonjour à Vanille. Bonjour. Bonjour. Voilà, je vais avoir besoin de toi pour faire le GPS. Tu sais que je suis terrible en orientation, je suis terrible. Ah mince, ok. Alors là pour l'instant on va à Pigalle. On va à Pigalle je suppose. Ouais, tu sais il y a tous les magasins de musique là-bas. D'accord. Comme ça on peut aller chiner quelques guitares. Ok, et bah écoute, je suis ravi de t'accueillir dans cette humble voiture. D'ailleurs est-ce que tu peux noter l'hygiène de cette bagnole sur 10? Elle est pas terrible. Elle est pas terrible, là, on est d'accord. On est ouais, d'accord. Je vais noter 2,5 sur 10. 2,5 sur 10, bon ok. Vanille, tiens, c'est le moment où je mets les critos. Vanille, le parcours. Le parcours de l'invité de la place du mort. Donc Vanille, bon, on peut déjà mettre le sujet sur la table histoire de le retirer directement. Tu es la fille de Julien Clerc. Oui. Tu es née en 1988. Oui. Donc ton premier rapport avec la musique, j'imagine que ça vient par papa. Oui. Maman fait pas de musique. Non. Ok. J'ai cru comprendre qu'au début, tu te destinais pas à ça. C'était pas vraiment ton truc. Ouais. Au début, j'ai fait des études. J'ai commencé à bosser dans l'événementiel, etc. Dans okay. La communication. La musique et l'écriture m'a rattrapé. Après, je pense que j'avais ça depuis toujours en moi. Là. Ouais. Ok. Ouais, j'ai vu que ta première passion c'était l'équitation d'abord. Ouais, ça c'est en fait ma mère est cavalière. Oh. Voilà, donc moi ça a jamais été vraiment une passion. Ah, okay, l'équitation. Pardon, c'est un peu une légende. C'est mais une légende, ouais, bon, c'est une légende. Non, moi de sauter les obstacles ça a jamais été trop mon truc. D'accord. Même si j'aime l'animal. Donc c'est l'écriture d'abord qui t'a amené à la musique. C'est l'écriture qui m'a déclenché l'envie de vraiment en faire mon métier. Mais en premier c'est la guitare. L'apprentissage de la guitare parce que en gros je voulais reproduire des chansons que j'aimais, tu vois les chansons des Beatles, etc. Et donc j'ai appris de manière autodidacte comme ça sur YouTube la guitare et ensuite l'écriture est venue et là du coup bah, c'était comme une évidence pour moi quoi. C'est compliqué comme question mais en gros à partir de quel moment tu lances le processus en mode ok c'est ça, c'est le métier que je veux faire? 25 ans et ensuite le temps voilà c'est quand même très long un processus ouais. Artistique, le temps d'écrire les chansons, de les produire, de trouver le producteur, etc. C'était un long chemin ouais. et
on va dire que je me suis vraiment lancée totalement dedans vers 26-27 ans. Et mon premier album, tu vois, je l'ai sorti en 2019. D'accord, premier album qui s'appelle Amazona. Amazona. Mon premier album, j'ai eu la chance de l'enregistrer au Brésil, figure-toi, parce que je suis passionnée de musique brésilienne, très inspirée. T'as un exemple d'un titre brésilien que je pourrais mettre aux gens là, comme ça? Ah oh, bah bien sûr, j'en ai plein. Soit Mania des Carnavals. Mania, tão bonita manhã. Ou bien Água de Beber. Eu quis amar, mas tive medo. E quis salvar meu coração. Água de Beber. Água de Beber, c'est un peu plus gay, etc. Et moi, c'est avec cette chanson-là que je me suis jetée à corps perdu dans la musique brésilienne. Donc en fait, comme mon album il est sorti en juin 2019, j'ai eu pas mal de jolies dates à l'été 2019, mais c'est vrai que j'avais beaucoup de dates prévues à l'été 2020. Ah oui. Qui est effectivement, comme nous savons, c'est bien là le soleil, hein, on a pas fait faire aujourd'hui. Alors, j'enlève carrément ma... voilà, tu vois, j'ai plusieurs tenues comme ça, tu vois. Ouais, donc Covid, compliqué, parce que c'est vrai que quand j'ai sorti mon deuxième album, on a le sentiment un peu de devoir reconstruire quelque chose qu'on avait déjà construit. Deuxième album qui s'appelle ? À part entière. À part entière. Et donc du coup là, t'es dans une période où t'es plutôt sur le troisième album ou t'essayes de faire vivre le deuxième ? Je continue de faire vivre le deuxième. J'ai pas mal de concerts, donc ça c'est cool. Et je me remets aussi à l'écriture en même temps. Je vais pas chercher à t'en faire voir, à te faire payer, à t'en vouloir. Dans ton regard tourmenté, je trouverais bien de quoi me consoler. Ce que tu m'as dit, ouais. Tiens, c'est le moment où je peux te poser la question YouTube, parce que j'ai eu la très bonne idée de demander aux gens de poser une question. Ouais. Comme ça, si c'est une question stupide, ben moi je suis dédouané parce que c'est pas moi qui la pose. A été posée une question par Paul Roman, qui a reçu plus de likes. Qu'est-ce que tu penses de l'idée d'aller boire un verre avec Paul Roman ? Qui a posé cette question? C'est Paul Roman lui-même qui a posé cette question. Je savais que ce serait un scandale de poser cette question. C'est... D'aller boire un verre? Avec Paul Roman. Avec moi, évidemment. C'est pas un rendez-vous romantique qu'il demande, évidemment. Bah oui, pourquoi pas. Du coup, au niveau musique, inspiration musicale, donc tu m'as parlé de la musique brésilienne. Ouais. Est-ce que t'as d'autres styles musicaux particuliers que t'aimes écouter? J'aime beaucoup la chanson française, dont je m'inspire, okay. Bien sûr. T'as des références particulières Moi, j'aime beaucoup Gainsbourg, Barbara, et dans les choses plus récentes, j'aime beaucoup les textes de Feu Chatterton, de L'Homme Pâle. J'aime beaucoup l'écriture. Ouais, ouais. C'est très très fort, très très fort. Très très fort, j'adore. Je lis beaucoup aussi parce que je pense que c'est vraiment une manière de développer son imagination, de cultiver son jardin intérieur et de s'inspirer. Génial. Tout simplement. T'as des coups de cœur récents à conseiller? Moi j'aime beaucoup Nicolas Mathieu. Je ne sais pas si tu connais. Non. Il a eu le prix Goncourt pour un roman qui s'appelle Leurs enfants après eux, genre il y a quelques années. Et là, il a sorti un nouveau bouquin il y a à peine un an, il y a quelques mois, qui s'appelle Connemara, et c'est très très fort. C'est une écriture, il a une voix, tu vois, et moi j'aime beaucoup les écrivains qui ont une voix, qui ont vraiment un style d'écriture où tu peux lire quelques phrases et tu les reconnais en fait. J'aime beaucoup aussi Devendra Banhart. Mi corazón se lanza, un fantasma corpo real. Tu connais ou pas? Pas du tout. D'accord. Pas du tout, mais maintenant oui. Ouais. Bientôt. C'est le chat qui se rompt à nos pieds ce soir. C'est le drame qui se jette dans notre histoire. Notre histoire. Du coup, si tu devais définir en un message ce que tu essayes de transmettre par la musique, tu ferais ça comment? Ce que j'essaye de transmettre par la musique, c'est une émotion, une vibration un peu plus mystique, quoi. Je vois. En essayant d'être le plus honnête possible dans mon écriture et dans mon sentiment au moment où j'interprète la chanson, j'espère pouvoir toucher le cœur des autres et faire résonner en eux ce que j'ai pu ressentir.
Oh, ça me parle, très bonne réponse, ça me parle absolument. on ressent à l'intérieur, nous, très fort quand on le dit, et normalement, par la vibration, ça devrait arriver au cœur de l'autre s'il est réceptif. C'est donc, ça. à notre vibration. Quand on a parlé de faire une chanson tous les deux, tu m'as proposé la chanson Quelqu'un. Ouais, c'est une chanson d'amour inconditionnel. Si tant est qu'il existe. Si tant est qu'il existe. À méditer chez vous, les petits amis. Voilà. Je croyais savoir d'où je venais, toute mon histoire. Quelqu'un. T'as fait de moi quelqu'un.